Michael. Cher Michael. Bien sûr, ils pouvaient envoyer que toi. À qui d'autre se fier? Et je sais que tu viens de loin, que tu veux aller droit au but. Je te demande juste d'attendre un peu, rien qu'un peu, je t'en prie. Écoute-moi, écoute-moi, parce que ce n'est pas une crise, une rechute, une connerie. C'est... Je t'en supplie, Michael, je t'en supplie. Essaie d'imaginer que ce n'est pas qu'un coup de folie, parce que ce n'est pas qu'un coup de folie. Il y a 2 semaines, je sors de l'immeuble, tu vois, je traverse la 6ème avenue, une voiture m'attend, j'ai exactement 38 minutes pour aller à l'aéroport et je suis en train de dicter un mémo à une collègue paniquée qui court à côté de moi en prenant des notes sur son bloc. D'un seul coup, elle se met à hurler, je m'aperçois qu'on est en plein milieu de l'avenue, le feu est passé au vert et un flot de voitures, un déluge de voitures fonce sur nous et je reste cloué là, je peux plus bouger. Et d'un seul coup, je suis envahi par la sensation dévorante que je suis recouvert d'une sorte de membrane et elle est sur mes cheveux, mon visage, et c'est comme un vernis, comme une sorte d'enduit. Et au début, je me dis, oh mon Dieu, je sais ce que c'est comme un liquide amniotique embryonnaire. Je suis inondé de placenta, je suis sorti de ma chrysalide, je viens de renaître. Mais là, la circulation, la ruée, les voitures, les camions, les klaxons, cette pauvre femme qui hurle, je me dis, non, arrête, c'est pas une renaissance, c'est un genre de vertige. Une illusion de renouveau qui nous envahit l'esprit à l'article de la mort. Et là, je comprends que non, tout ça est complètement faux parce qu'en me retournant, en regardant l'immeuble, j'ai eu un moment de révélation totalement bouleversant. J'ai compris, Michael, que je n'avais pas surgi du seuil de chez Kenner, Bach et Lédine, du portail de notre vaste et puissant cabinet d'avocats, mais du trou du cul d'un organisme dont l'unique fonction est d'excréter le poison, les munitions, le défoliant indispensable à d'autres organismes plus grands et plus puissants pour détruire le miracle de la vie. Et que j'avais été enduit de cette patine de merde pendant la plus grande partie de ma vie et qu'il me faudrait sans doute le restant de mes jours pour en laver la puanteur et la souillure. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai respiré à fond et j'ai mis de côté cette notion. Je l'ai différé. Je me suis dit, ça a beau être tout à fait clair, ça a beau être un sentiment très fort, même si je pense avoir été aujourd'hui témoin d'une vérité, ça doit attendre, ça doit résister à l'épreuve du temps. Et Michael, le temps est venu.